Salut les crépidus! Bonjour tout le monde! Bonjour! Aujourd'hui, on est avec David Gomez, meilleur ouvrier de France, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour une vidéo. Et Jérémy Vira, qui est mon meilleur ami poissonnier. Et ils vont faire une démonstration de macro en colbert. Donc, macro en colbert, est-ce que tu sais ce que c'est à la base? Pas du tout. Pas du tout. C'est un portefeuille dorsal. Un portefeuille dorsal, tu sais ce que c'est? Pas du tout. Non plus. Donc, le but, ça va être d'ouvrir notre poisson par le dos et d'enlever toutes les arêtes. Donc, toutes, c'est absolument toutes. Donc, notre poisson ne doit plus avoir d'ouïe, il doit être prêt à la consommation. C'est une vieille découpe française. On la transmet encore, cette découpe. On s'en sert rarement sur les étals, mais ça peut faire de jolies décorations et en cuisine, on peut s'en servir. On pourrait incorporer les farces après. Alors, normalement, beaucoup de poissonniers commencent par enlever les ouïes. Moi, je les enlève à la fin. Pourquoi? Parce que je vais faire ma découpe de manière à ne pas percer la cage thoracique. Et quand je vais enlever les ouïes au dernier moment, mon poisson n'aura pas du tout saigné jusqu'à là, parce que je n'aurai pas du tout touché ni l'abdomen, ni les branchies. Donc mon poisson ne doit pas saigner pendant toute la découpe. Et j'enlèverai mes ouïes au dernier moment, d'où le fait que la découpe doit être très très bien faite jusqu'au bout, pour ne pas avoir ni de viscères, ni de sang sur les filets. On se lance ? Oui. Le but, ça va être de ne pas monter trop loin. Le but, ça va être d'aller vraiment à l'aplomb de la nageoire. Il ne faut vraiment pas aller découper jusqu'au milieu de la tête. Et ici, sur le macro, c'est pas comme sur les autres poissons, on n'a pas le papillon. Papillon, tu connais? Oui. Bon, papillon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie de la nageoire, de l'arête, pardon, qui va aller s'accrocher sur la nageoire. Mais sur le macro, on l'a pas. Donc, pas d'histoire de papillon sur le macro. Donc, on va essayer d'arrêter la découpe juste avant la queue, là où il n'y a presque plus rien à manger. Le but sur ton premier coup de couteau, ça va être d'avoir une découpe à la fin qui va venir se rejoindre à chaque fois là. Tu vas venir faire quelque chose d'assez précis au bout. Si ta découpe elle part comme ça au début, on va arriver ici à avoir un gros morceau de chair qui va pas être, la découpe ne va pas être fine. Le but, là, je me suis mis en repère, je vais vraiment contre la nageoire et je vais vraiment faire l'effort d'aller vers le milieu du poisson. Je vais exagérer un peu les gestes, hop, d'aller vraiment vers le milieu du poisson, comme ça la seconde découpe reviendra à rechercher ici. Et ensuite, on va passer le long du poisson. Et on force jamais sur le couteau. Attends. Hein. C'est pas mal. Donc en fait, le premier coup de couteau qu'on met à chaque fois sur un poisson, sur n'importe quel, il va être juste là pour fendre la peau et présenter la découpe. Donc maintenant, le but va être à chaque fois de présenter la découpe. Et ensuite, on va rentrer dans le poisson. Là, tu es déjà rentré un petit peu, mais comme tu étais bien, je n'ai pas osé t'arrêter. Donc là, ensuite, je prends vraiment bien contact avec les arêtes. Quand on regarde où elles sont. Le but, quand on veut vraiment prendre contact avec l'arête, ça ne va pas être de forcer sur le couteau, ça va être juste l'inclinaison du couteau. Donc en fait, si tu veux t'éloigner de l'arête, tu vas mettre ta lame à plat et naturellement, les nerfs vont faire que ta lame va ressortir. Et si tu veux vraiment te rapprocher de l'arête, c'est juste cette inclinaison-là qu'il faut travailler. Voilà. Juste avec cette inclinaison-là, on va vraiment aller chercher l'arête le plus près possible. Ici, au niveau de la tête, je vais passer ma lame. Le dos de ma lame va être contre la peau parce qu'il va falloir quand même que j'aille chercher les arêtes le plus loin possible, aller chercher la dernière vertèbre qui est vraiment la jonction de l'arête et de la tête. Donc là, avec la pointe, je vais aller chercher le plus loin possible dans la tête et je vais venir récupérer ma découpe jusqu'à la moitié du poisson. Regardons où est-ce qu'on en est. On est pas mal. Donc là, tu as été beaucoup plus loin que moi. Moi, je m'arrête vraiment à la moitié du poisson. L'arête forme un boulet, là où on a vraiment les os de la colonne. Et avec la pointe, je vais bien replonger juste derrière cette arête pour bien ramasser les chairs qui sont juste derrière. Et ensuite, je vais venir devant. Et là, juste avec la pointe, au niveau de la cage thoracique, forcément la cage thoracique, mais il y a aussi les arêtes qui vont rester dans le filet, qui sont plantées ici sur le côté. Donc juste avec la pointe, je vais venir couper ces arêtes là, celles qui restent dans le filet, mais sans casser celles de la cage thoracique. Donc le but c'est ou de se mettre ici en bordure et de venir travailler puisque la cage thoracique elle est comme ça, de venir travailler avec la pointe comme ça, ou alors avoir une lame très souple pour venir la travailler là, mais souvent le mieux c'est de venir la travailler ici au côté, et juste avec la pointe de venir les sortir. Il est bon de couper quand même. Là c'est bon, stop, tu peux t'arrêter. Donc là, sur la cage thoracique, puisqu'on a cassé les premières arêtes, le but, ça va être de faire le tour de la cage thoracique. Elle est ronde, notre lame est droite. Donc on va faire attention à travailler assez à plat pour pouvoir faire ce geste-là. Donc
là, je vais commencer. Et dès que je vais arriver dans la partie très fine du poisson, en fait, la partie qui est aussi la plus grasse, celle du ventre, je vais m'arrêter avec le couteau et je vais aller chercher avec le doigt. Si j'ai été assez loin, si mon coup de couteau est vraiment bien contre les arêtes de la cage thoracique, plutôt que de prendre le risque d'aller percer le ventre avec la lame, je vais juste y aller avec le doigt et finir de décrocher avec le doigt. Putain, j'ai passé ton doigt qui va rentrer dans la cavité là. Ouais, je vais voir. Tiens, juste. Ok, je l'ai. Voilà. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. T'es très bien. Alors, par contre, le fait de promener ton doigt partout, t'es rentré dans la cage thoracique. Ah, j'ai étalé le sang. S'il y avait des viscères dans la cage thoracique, c'est forcément pas propre. Il y a forcément des bactéries, des choses comme ça. Alors que la chair, elle, est saine à la consommation. Et là, le fait d'étaler avec ton doigt, de regarder, de vérifier, tu vas ramener des bactéries. Donc, ce genre de geste, éliminer au maximum. Ça va y avoir toujours un couteau propre. Là, on va travailler notre second côté. Premier coup, on va juste couper la peau et présenter la découpe. Et ici, je vais revenir rattraper ma découpe en face en faisant le même geste que j'ai fait de l'autre côté pour avoir quelque chose de le plus précis possible ici. Donc, j'ai vraiment juste une pointe bien propre. Alors quand tu commences à découper, tu vas juste regarder un petit truc, deux secondes, je commence à découper avec cette partie-là du couteau, jamais avec la pointe. Ton couteau, il fait de 20 cm de long, c'est pour se servir des 20 cm. Tu regardes juste la partie ici du couteau, et en fait, le reste de ton couteau va travailler naturellement. Juste en regardant ça, le reste de ton couteau, il va continuer à bosser naturellement. Donc là, je vais faire mon petit poisson. Là, je vais refaire le même geste que j'ai fait tout à l'heure. Donc, avec la pointe, aller chercher le plus loin possible. Donc, à la moitié du poisson, avec la pointe, je lève bien le poignet. Le fait de bien lever le poignet, ça va faire que je vais aller chercher bien derrière l'arête. Là, je débarrasse juste l'arrière. Et je finis la partie caudale, ça, jusqu'à la peau, en faisant attention, bien sûr, de ne pas traverser. Puisque là, derrière, la peau est très, très fine. Là, on va s'occuper de la cage thoracique, comme tout à l'heure. Donc là, je suis bien contre. Je vais venir ici en bordure, ce sera plus facile. Et là, comme ça, la pointe de la lame est déjà dirigée de manière à couper juste les premières arêtes sans aller perforer la cage thoracique. On attend qu'il craque sur le couteau. Et une fois qu'on est à la moitié de la cage thoracique, dès qu'on rentre dans la partie la plus grasse, comme de l'autre côté, on finit avec le doigt. Voilà, vraiment, d'un coup, tu y arrives. Ouais, non. Oui, vas-y, n'hésite pas. En fait, il ne faut pas avoir peur. Tu vas y arriver. Il ne faut juste pas hésiter, il faut être ferme sur le geste. En fait. Quand on en est ici, on va venir se débarrasser de la queue. Donc, je vais venir couper l'arête parce qu'il n'y a pas de papillon. Donc, du coup, on ne peut pas la sortir comme sur un poisson, comme sur une dorade ou comme sur un bar. Et on va venir la sortir notre arête, normalement, juste en la tirant, elle doit venir. Si nos découpes sont précises en dessous, si on est bien à fleur, il n'y a plus de muscles, il y a vraiment juste la peau. Donc, en tirant délicatement les doigts, en maintenant derrière à plat, on doit pouvoir la sortir. Il faut juste arrêter au niveau de la nageoire anale. Parce que là, par contre, l'arête, elle tient la nageoire anale. Là, on va juste couper à ras avec le couteau, avec le ciseau. Pardon. Donc là, par contre, on rentre dans la partie délicate. C'est-à-dire qu'on va toucher aux viscères, on va toucher au sang. Et c'est là où il va falloir travailler le plus proprement possible. Donc là, je vais juste couper le petit boyau à ras. Donc là, on voit que j'avais pas percé ma cage thoracique jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de viscères, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Parfait. Là, on va venir sortir les ouïes. Et là, normalement, notre poisson, il doit se vider en même temps correctement. Et ça, on ne casse pas le bréchet dessous. Et c'est ce que j'ai toujours dit. On ne le défait pas. Sortant la seconde partie de ta branchie, ton poisson il va presque se vider. Une fois sur l'autre. Tu vas la laisser là comme ça. Il n'est pas vidé. Voilà, c'est pas grave. Il va vider en même temps qu'on va sortir la colonne. Allez, donc là maintenant, le but ça va être de sortir la colonne vertébrale le plus loin possible. C'est-à-dire, ça va être
d'attraper la dernière vertèbre. Okay. Dernière vertèbre, c'est celle qui est entre la tête et le reste de la colonne vertébrale. Donc là, le but, c'est de bien s'assurer qu'il ne reste pas du tout de chair, pas de peau qui attache ici sur cette partie haute le filet. Qu'on n'aille pas déchirer les chairs non plus en venant casser la colonne vertébrale. Et ça va être de tirer vers le haut. Alors, si je tire vers les côtés, je vais venir ici décrocher ces chairs. Et le but, elle va être de la poisson quand même, où les chairs ne sont pas du tout allumées. Si vraiment j'ai trop de mal à le faire, petite technique de coquin, on vient par l'intérieur. Et on va venir saisir la dernière vertèbre ici. On n'a pas forcément besoin de le faire, parce que normalement, la dernière vertèbre, elle casse très facilement. Et on peut venir la sectionner avec un petit ciseau. On va juste venir la chercher avec le ciseau, donc bien s'assurer de bien attraper la celle qu'il faut, vraiment la dernière. J'ai mis un petit coup de ciseau pour la sortir. Ça va m'aider certainement par la suite. Et là maintenant, j'ai plus qu'à tirer vraiment juste vers le haut. Surtout pas aller sur les côtés pour venir tout sortir. Donc là, mon poisson, il n'a pas saigné. Là, je vais finir de le vider. Comment tu sais si je l'ai bien fait ou pas? Je vais aller vérifier. Si je veux savoir si j'ai eu la dernière vertèbre ou pas, je vais mettre mon doigt sur la vertèbre et je vais voir si ça bouge ou pas. Si elle bouge un petit peu, c'est que j'ai pas la dernière vertèbre. Le but, ça va être vraiment d'avoir la dernière. Donc avec le doigt, je tiens la tête, je fais bouger. Si ça bouge pas, c'est que j'ai la dernière vertèbre. Là, maintenant, on va sortir le péritoine, s'assurer que notre poisson il est vraiment bien bien propre. Donc le péritoine est juste un petit morceau de papier jetable. S'assurer qu'il n'y a plus de sang dedans non plus. Maintenant, on va le désarrêter, où il va falloir être un petit peu méticuleux. Et s'il y a du sang ou une pointe de viscère quelque part, on va venir les étaler. Et c'est là où on va vraiment gâcher notre découpe. Et plus on manipule un poisson, plus on va avoir l'impression que la chair, elle sue. Alors que normalement, elle doit être lisse et irisée. Donc ici, tu as un petit morceau de boyau. Ici, il reste un petit peu de péritoine. Là, par contre, il va te rester forcément les arêtes, parce que tout à l'heure, tu l'as laissé là-dessus. Mais maintenant, il faut que tu galères un petit peu à venir les rechercher. Puisque on les voit bien là. Mmh. Alors généralement, quand c'est comme ça, moi j'essaie de les attraper par-dessous. En étant juste à peine dessous. Et on va venir les chercher. Et on va être obligé de les rechercher. Ça t'arrive aussi. Bien sûr que ça arrive à tout le monde. Alors, l'inconvénient de devoir y revenir, c'est que voilà, c'est des gestes en plus. Et à chaque fois, c'est moins il y a de coups de couteau sur un poisson, moins il y a de chances de se tromper. Donc, un poisson comme ça, quand on essaie vraiment de le faire quand on est un petit peu entraîné, c'est 5 coups de couteau par côté. Donc 5 coups de couteau, on n'abîme pas du tout les chairs, et puis c'est un gain de temps aussi. Il suffit d'être précis, il faut juste visualiser déjà sa découpe avant de la faire, et se dire bah, là il faut que ça sorte comme ça, là il faut que mon couteau soit incliné comme ça, là je vais gagner des gestes, et je vais gagner la précision sur le être efficient. Efficient. Dis-le. Efficace et rapide. Bon, d'accord. Efficient. Pour pas être chronophage. Soit efficient. Pour pas être, voilà, efficient pour pas être chronophage. Je croyais qu'on coupait du poisson. C'est un scrabble quand même. Donc là, moi, sur ma découpe ici, je n'ai pas été assez précis sur la nageoire anale. Donc je vais venir la retravailler un petit peu. Il faut vraiment que cette nageoire soit coupée bien à ras. Là, on est beaucoup mieux. Et ensuite, la partie la plus pénible pour moi sur ce genre de découpe, sortir les arêtes. Donc, un colbert, ça n'a pas du tout d'arêtes. Donc, sortir les arêtes, ça va être venir les saisir une à une et surtout ne pas les tirer en arrière. Si on tire en arrière, notre filet va être complètement coupé en deux. Donc là, le but, ça va être vraiment de saisir les chairs très proches de l'arête et vraiment venir tirer vers la tête à chaque fois. Donc c'est ce qui va être le plus long. On peut le faire visuellement, mais les arêtes, on les voit tellement pas qu'il faut vraiment aller les chercher avec le bout des doigts et se rendre compte où est-ce qu'elles sont pour aller les saisir. Il faut être un petit peu patient et surtout essayer de ne pas plier le poisson énormément. Si on plie le poisson, on va détacher toutes les chairs, ce qui se passe là. Et ça va être d'essayer de le tenir le plus plat possible et d'aller tirer vers la tête à chaque fois. Et quand vous dites à un client qu'un poisson c'est sans arête, c'est que vous êtes sûr qu'il y a vraiment zéro arête. Ce client à qui vous allez dire ah ben il n'y a pas d'arête dans le poisson, il peut le donner à un enfant. Un enfant peut vraiment avoir de grosses complications à cause d'une arête ou parce que j'avais un petit peu la flemme de re-regarder ou de bien faire mon boulot. Mais par contre, ça peut poser de grosses complications à une famille par exemple.
coiffeur. Ouais, les nageoires du poisson, je les enlève toujours au dernier moment. Pourquoi? Parce que sur un petit coup de couteau, je peux venir fragiliser un petit peu plus. J'essaie de faire tout ce qui est méticuleux à la fin. Ça m'évite d'avoir des problèmes si ici, sur certaines découpes, on coupe trop à ras, on peut avoir un trou derrière. Alors que le but, c'est vraiment de la découper à ras. Et à force de manipuler, ça peut venir se déchirer. Donc c'est le genre de choses que je fais tout à la fin de mes découpes. Alors là, par contre, on va laisser la caudale. Vulgairement appelée la queue. Donc maintenant, on a deux poissons en portefeuille. Et en fait, Colbert, la découpe Colbert, c'est juste sur le maquereau que ça se fait. Et c'est prendre la queue, la faire passer dans la bouche et avoir un poisson qui est un petit peu replié. C'est juste le fait de réaliser ça qui va faire qu'on va l'appeler Colbert. Pour le faire, plutôt que d'y aller avec les doigts, de vous galérer, je prends ma petite pince à arête. Ça va être de la plier en deux, venir la chercher. Et là, on va ranger correctement les filets. Tu veux choper là? Oui, tu peux apprendre. Donc le maquereau Colbert, c'est juste ça. Un petit maquereau en forme de cœur, parfait pour la Saint-Valentin. Surtout un maquereau. Alors après, ça peut être joli avec des petites touffes de persil ou en cuisant, ça peut être sympa, ça donne un autre look, on a un poisson sans arrêt. Ça change un petit peu du maquereau traditionnel que l'on voit, ça permet de le valoriser un petit peu. Après, c'est une découpe qui va durer, quand on le fait à vitesse normale, ça va durer 2 minutes 30 au maximum. D'ailleurs. Enfin, je pose. Et voilà, c'est fini, plein de travail propre. Macro Colbert de réaliser. On va se régaler. Voilà. Ça a été? Super. T'es content d'avoir appris quelque chose? Je vais dormir moins con. Bon. Eh bien, on dit à bientôt. Merci beaucoup.